Donc le coussin d'allaitement Cam Cam. Donc là j'ai pris le motif blanc 3 points, je vais vous le montrer de près. Très délicat ce petit motif avec 3 petits points comme ça en forme de triangle, avec l'étiquette Cam Cam sur le devant. Le coussin d'allaitement Cam Cam, il a la particularité d'être en coton bio certifié sans produits chimiques et fait dans des conditions de travail respectées, qui respectent l'humain et l'environnement. Les usines sont toutes contrôlées. Donc Cam Cam, c'est vraiment une marche dans une démarche écologique, durable et de respect des droits de l'homme. Donc là, je vous ai pris ce motif-là, qui peut être assorti à votre matelas allongé. Pour ce qui concerne le matelas allongé, le coussin d'allaitement, les parures de lit et les tours de lit, on a tous les motifs de la marque Cam Cam. Donc on peut vraiment faire une chambre entièrement assortie Cam Cam pour bébé et avoir tous les motifs assortis, ou non d'ailleurs, parce que comme ils sont tous dans des couleurs pastel très jolies, ils vont aussi ensemble. Donc on peut avoir par exemple le matelas allongé vert menthe sachico avec le coussin d'allaitement à 3 points par exemple, et le matelas et le tour de lit vague grise par exemple. Enfin, on peut aussi dissocier puisque tous les motifs vont ensemble. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc le tissu extérieur est bio et très très doux, vraiment il est très très agréable. Et l'intérieur du coussin, c'est un coussin pareil en Ecoflex certifié sans produits chimiques. Là, c'est pas un coussin avec des microbilles qui sincèrement ne sont pas du tout les plus adaptés pour allaiter bébé ou lui donner le biberon, puisqu'ils ne soutiennent pas vraiment bien, ils s'effondrent un peu quand on les positionne. Celui-là, il dispose d'une fermeté quand même, puisqu'on voit qu'il tient en place comme ça, et en même temps quand même d'une souplesse pour pouvoir mettre son bras et qu'il soit bien soutenu. En général, on le met avec cette partie-là derrière le dos et cette partie-là pour le bras. Il est de petite taille, ce qui permet de pouvoir le déplacer partout dans la maison, puisque souvent on allait, on donne à manger à bébé au début très très souvent dans la journée et à des endroits différents. Des fois vous êtes dans votre salon, des fois vous vous installez dans sa chambre, des fois dans votre chambre. Donc c'est hyper pratique d'avoir un coussin que vous pouvez déplacer facilement. Les longs coussins en microbilles sont très bien pour dormir. Après, au niveau de la praticité pour vraiment nourrir bébé, c'est pas le mieux. Là, pareil, il est déhoussable très facilement. Hein. Donc, voilà. Et on peut prendre tout de suite une autre housse pour pouvoir le laver facilement et puis pour pouvoir aussi changer de style. Là, j'ai sorti la housse verte sachico. Tac, vous voyez. Mais on peut prendre n'importe quelle housse tout de suite ou plus tard. Voilà pour le coussin d'allaitement. Dernière chose quand même pour le coussin d'allaitement, c'est très pratique quand bébé commence à s'asseoir. Enfin, pas à s'asseoir, mais justement à tenir un peu en position un peu moins allongée et qui veut regarder un peu ce qui se passe, par exemple quand vous mangez. Vous pouvez l'installer aussi dans ce coussin. Ça fera un bon soutien pour bébé qui pourra être installé comme ça confortablement et regarder un peu plus ce qui se passe dans la maison. Voilà pour le coussin d'allaitement Cam Cam.